Et bonjour à tous, c'est Minocraft. On se retrouve sur le serveur Industrial Adventure pour l'épisode 7. Là, on se retrouve de nuit parce que du coup, on va faire un petit truc avec avec Extra Utilities à minuit. Donc là, vous voyez, j'ai un Division Sigil sur moi. Un truc qu'on trouve dans un coffre. Non, attention, un bébé zombie. Là, il est buggé sur la redstone, c'est cool. Aïe. Voilà, donc on nettoie vite fait les zombies. Aïe, petit con. Attends, il y a le mouton qui joue pas le jeu. Et du coup, normalement, clac tout early, sacrifice, mettre. Ok, faut qu'on fasse le sacrifice à minuit. Donc il est encore trop tôt là. Donc du coup, on va essayer de résister à l'envahisseur encore quelques temps. Donc là, il est encore trop tôt. Et tu regardes la lune. Il y aura peut-être un petit peu mieux. Je regarde la montre surtout. Maintenant. Non, 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 too early encore, il dit que c'est trop tôt. Ça devrait Oui. arriver. Ah, là, ça devrait pas être trop mal. Allez, la lune. Can see the moon. Bah oui, y a rien qui gêne là. C'est quoi le... Ah, performe de sacrifice. Lâche-le. Non, mets le cochon, mets le cochon, mets le cochon. Vite, 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 il allait trop loin. Voilà. Vite le levier, le levier. Ah non, ça veut pas. Bon, c'est pas grave. Tant pis. Couvre-moi, je vais récupérer à l'appel. Ouais, attention au creeper quand même parce qu'il a pas mal de force. Hein. Attention, Mino! Ouh, la chance. Donc, le temps de récupérer le la terre qui fait spawner tout ça. Voilà, on va se prendre une. Oh, y a un bébé zombie qui est venu me shooter, il m'a fait super mal. Wouah! Il va me tuer, il va me tuer, il va me tuer, le petit con! Ouais, ils font mal, hein. Non! Il m'a tué. Attends, le temps que je viens de récupérer mes affaires. Hop! Donc ouais, quand il spawn sur cette, quand les mobs spawnent sur Ils font pas semblant, hein. sur cette terre là, ils ont un bonus de vitesse, de force. Et donc nous, là, on est complètement à poil. T'es mort où? Là, Ah ça oui, va, là je je suis te mort sens. à l'écart. Ouah, tous les mobs qu'il y a. Je les attire de l'autre côté, hein. Juste. Ah bah du coup, mon Gravigun, ça lui, il est devenu en bleu. Je pense que toi Ah bah aussi. moi non, parce que non, moi j'étais pas au milieu. Ah merde. Hop, on se remet notre petite armure. Merci. Ah bah falloir mettre de la lumière, on a récupéré un peu de... J'essaie d'en récupérer Un encore un bunker, peu. oui. Mais ouais, ils sont super violents là. Grave. Je t'ai dit qu'il fallait faire des murs. Ouais, mais dans tous les cas, il y en aurait fallu un au milieu pour récupérer la terre. Hop, les quatre, on va se le faire tout de suite. Toi, explose dans l'eau si tu veux, voilà. On veut juste récupérer un peu de terre, les De toute gars. façon, après ça se propage, non? Ouais, dans le noir total, ouais. Mais là, faut juste essayer d'en récupérer le max. J'en ai 7 de ceux que tu avais récupérés. Moi, j'en ai 5. Attends, Oh bah j'en ai tiens, 9. ils ont mis un disque et tout. Ouais, je me remets encore à l'écart. Il y a encore un bébé qui me suit. Petit Vol, con. mets-toi en quoi de voler. Tu l'as vite su. J'ai mort ma bouffe. J'ai pas pris ma bouffe dans le coffre. Ça va, lui il est tombé dans l'eau. Toi, on va pouvoir te tuer.
Mon Dieu, ce bordel. Ça Wow, serait tellement sérieux bien toi, s'ils tu viens me pouvaient taper avec shooter une entre eux, mais pelle? bon, voilà quoi. Deux, pardon? Ça serait tellement bien s'ils se shootaient entre eux. Ouais, ça serait sympa. Je récupère juste ma bouffe. Hop, on récupérera tout ça après. Attention, lui, il a l'air d'être vénère C'est celui-là. ça, faut faire péter les mana creepers, ça les abîme un petit peu les autres. Les creepers explosent pas tout de suite. Hop. Hop, wow, il va faire super mal à mon avis. Hop, mais il va falloir qu'on remange. Ça va être en tout ça gros. Oh, j'ai un CD. Je t'ai dit qu'il y en avait un qui tenait un CD. Ah, d'accord. Bon, bah, je l'ai eu. Bon, le jour va commencer à se lever, donc on va pouvoir. Il y a de la redstone et tout dans les mains des. Hop. Trop la Donc grosse galère. le temps de finir un peu tout ce bordel là, tout nettoyer, tuer tout le monde et tout, et on se retrouve juste après pour vous expliquer la suite. Donc allez, à tout de suite. Et on se retrouve. Donc petite péripétie terminée. Mais du coup, on se retrouve niveau de notre petite ferme pour discuter de la fin de l'épisode précédent en fait, parce qu'on s'est coupé, hein, enfin j'ai coupé un peu précipitamment. Mais du coup, en fait, j'avais pas le tuyau sur moi, mais la solution c'était juste de mettre un basic pipe relié à l'interface AMI. Et du coup le basic pipe vous le mettez sur défaut, enfin la défaut route vous mettez sur yes, et comme ça du coup tous les items qui sont pas repérés par les items sync modules au-dessus vont venir par ici. Et vu qu'ici on peut que stocker le charbon, le rubber ou le plastique, du coup bah il n'y a que eux qui vont venir par ici. Donc voilà pour le petit truc, sinon bah là ça fonctionne. Ça fonctionne nickel, donc faut juste qu'on rajoute un peu de façade. Mais voilà, du coup on fait juste nos rubber. Le charbon, bah ça bouge pas. Du coup ça nous a permis de restocker un peu de bois. Et du coup là il n'y en a plus parce que c'est en train de se faire transformer. Donc là quand ça va arriver à 40 000, ça va s'arrêter. Et du coup ça va permettre de restocker de nouveau du rubber normal. Donc voili voilou. Mais il y avait vraiment rien de compliqué, c'est juste que j'avais pas le tuyau sur moi et puis bah, le fait de pas faire une ellipse pour 30 secondes de reprise après, truc qui sert un peu à rien. Enfin donc avec notre division sigil, parce que du coup c'était le but du petit rituel qu'on a fait un peu plus tôt. Normalement il est dans le sac. Oui, il est là. Donc on va tout stocker dans le sac. Donc là pourquoi j'ai 4 pioches en diamant, on verra ça sûrement l'épisode précédent. Parce que là du coup j'ai pas un coffre assez grand pour tout Prochain. stocker. Hop. Épisode prochain, non? Parce que j'ai dit quoi? Épisode précédent? Précédent. Ah non non bah dans l'épisode prochain pardon. C'était ça que je voulais dire. Du coup, ça on peut prendre. Et ça c'est pareil, ça c'est pareil. On va aussi prendre l'arc. On va mettre tout ça dans le knapsack. Hop. Et on va ranger tout ça parce que ce qu'on va faire, ça va être un peu risqué. Ah bah attends, garde-les sur toi pour le moment parce que de toute façon, si je meurs, il va y en avoir partout. Ok. Quoique, attends. Hop. Non, donne-les-moi quand même, s'il te plaît. On va les préparer. Tu prépares le terrain. Donc là, ce qu'on fait, c'est on va faire le portail du Deep Dark. Donc pourquoi j'appréhende un peu? Parce que ces petits lingots là, comme vous voyez, ils sont stables seulement. Enfin, ils sont stables. Ils sont pas stables, mais du coup, en fait, vous les gardez plus de 10 secondes sur vous et vous mourrez.
Donc quand c'est pour faire un truc avec un lingot, y a pas de problème, mais là il en faut 4. Donc du coup, faut bien placer tout. T'as la recette à côté? Ouais, en espérant que ça fonctionne. À mon avis, je vais mourir, hein. C'est un truc pratiquement sûr. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mais on va quand même essayer, on est des petits fifous. Donc vous mettez votre division sigil ici. Des diamants. Non, c'est de l'autre. C'est du fer divisé par du diamant. Et vous obtenez vos ingots instables. Donc tac. Tac. Et ben voilà, Et voilà. j'avais dit que j'allais mourir. Il s'est manqué de tout petit peu. Failli survivre, mais non, je suis mort. Hop, on a notre Saute un petite petit tombe. coup, tu es dans le sol. Hop, oh, par contre, ça m'a fait perdre mon pantalon. Tôt. Ah, par contre, c'est le truc qui est bien, c'est qu'on a besoin de faire que un lingot maintenant. Enfin, normalement, peut-être que ça va pas fonctionner parce que les autres, ils sont à zéro. T'essayes? Tiens, prends le division sigil aussi. Par contre, il faudra que tu fasses le truc dans une table de craft, le lingot. Hop. Donc c'est du fer que tu divises par du diamant. Et après, il faut que tu ressortes et que tu ailles dans le clipboard avant 10 secondes. Ok. Ah, du coup, j'ai perdu mon pantalon. Non, je suis dégoûté. Il va réussir. Ok, j'ai juste eu le temps de le sortir et je suis mort. En gros, c'est les autres lingots qui ont explosé là. Ah, du coup, je sais ce que je vais faire. Un, Non, ils deux. n'ont pas explosé les autres. Mais je pense que le clipboard, il va. Je vais récupérer les morceaux de On l'a pierre. Et peut-être je en pense. armure, non? Ouais, c'est pas faux. En plus, j'ai déjà perdu mon pantalon. C'est vrai que j'ai pas pensé à l'enlever quand j'ai fait la première fois. Donc, on va réussir, vous en faites pas. Donc, non, c'est du fer divisé par du diamant. Tiens, prête-moi ton clipboard. Là, je sais pas vraiment ce que je vais en faire du coup. Hop, on va le laisser dépoper. Merci. Donc, regardez ce qu'on va faire. On va tout simplement préparer le craft Le jette. avant. 1, 2, 3, 4. Et boum. Ah, je sais c'est quoi le problème. D'accord, ok. Parce que tu sors de la table de craft, non? Ouais. Oh, puis j'ai tout mes. C'est quoi ce bordel là? Ah ouais, c'est parce que le coffre il a pété, donc du coup il y a tous les items. Bah non. J'ai Non, récupéré. il n'a pas pété. Bah c'est quoi? J'ai récupéré tout mon knapsack là alors que je l'avais posé dans le coffre. Bon. Oh, c'est bizarre ça. Regarde, j'ai mon knapsack qui est là. Je vais le mettre. On ressort, on re-rentre. Et ouais, il est vide. J'ai tout mon knapsack qui a réapparu avec moi. Tu me donnes la division Sigwin, s'il te plaît? Tu vas essayer. Ouais. Du coup, je l'ai pas. Il est dans la table de craft là. Mais en fait, ouais, faut rester dans la même table de craft dans lequel on est. Et c'est pas avec NEI le shift click là sur le point d'interrogation, ça fonctionne pas non plus.
Ça, c'est qu'on va manquer de diamants avec ces conneries là. Plus que deux, il en reste. Normalement, on doit peut-être en avoir en haut. Ah, il me manquait un Lego. Nether Diamond Ore, Ah, on un en a Lego fait. trois. Et là, on en a. N'en a plus. Donc on va être en rate de diamant. Donc vous voyez qu'on galère un peu. Donc Oh le temps de finir de crafter le portail. Et puis on se retrouve. Allez, à tout de suite. Donc ça y est, on a réussi à crafter tant bien que mal la porte du portail, on va dire. Du coup on a dû s'y mettre à deux, hein, parce que un qui mettait les lingots et puis les blocs et l'autre qui enlevait le division sigil. En fait le problème c'était que dès qu'on sortait de la table de craft dans laquelle vous faites les. Enfin dans laquelle on faisait les lingots, du coup ça explosait. Donc c'était ça le problème, parce qu'on a tout fait dans la même table de craft et on n'a pas eu de problème. Donc voilà, on peut partir vers le Deep Dark. Donc on espère qu'on va pas mourir. Moogie s'est équipé. Ça y est, il a enfin eu une petite armure. Parce que du coup, c'est quand même assez hostile. L'intérêt d'aller là-bas, c'est les minerais sont multipliés par deux, de base, tous les minerais. Que ce soit des mods ou des minerais vanilla ou autre, tout est multiplié par deux. Et par contre, le petit désinconvénient, c'est que vous allez voir. Hop, donc on va à l'intérieur. On se log, donc là le temps que ça génère, ça peut mettre un peu de temps. Enfin, pas non plus 20 minutes. Hein. Et donc voilà, quand on spawn, on arrive dans une petite pièce ici. Ah, t'es pas encore arrivé ou. Si, mais je suis en train de tomber en moins de 150. Ah, c'est bon. Ah, d'accord, parce que je te voyais pas. Je te vois toujours pas. Moi non plus. Je crois qu'on a spawné à deux endroits différents. Non, 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 normalement t'étais sur moi. Non, non, y a que un. Vu qu'on a pris le même portail, on arrive au même endroit. Ah, non, c'est juste côté invisible. Ah. Tac, donc le but là, ça va être de faire un petit escalier histoire de descendre. Ouais, c'est ça, faut descendre. Et attention, tu risques de tomber un petit peu. Ouais, c'est pour ça que je prends quand même un peu de place. Hop. Fais attention quand même, parce qu'au bout d'un moment, il y aura du vide en dessous. Donc là pour le moment il n'y a pas de minerai vu que là on est dans la couche supérieure en fait du Deep Dark. Ah voilà, Moogie va un peu plus vite avec son méga marteau que j'ai pas encore fait. Tac, de toute façon j'ai pris un rope ladder pour descendre tout en bas. Peut-être mettre quelques lampes, ouais, c'est bon, peut-être des torches, parce que du coup j'en ai pas pris en fait, j'ai oublié d'en faire. Tac, donc lui fait la partie au-dessus, moi je fais en dessous, on descend. Mais du coup ça. Si tu pouvais éviter de te mettre devant moi, ce serait peut-être mieux, s'il te plaît. Excuse-toi. Ah, on arrive là sur une couche de cobble. T'as la vache, j'ai bien. Ouais. Parce que vous voyez, dès qu'on est trop dans le noir, en fait, on commence à se prendre des dégâts. C'est. Tac. Donc, on y arrive. Couche de cobble. Hop, mets une lampe. S'il te plaît. Hop, et donc, vous voyez en dessous. Totalement le vide, donc faut faire attention de pas tomber. Moi, mon connaissant, je vais me mettre en chauve-souris. Tac tac, donc on finit Bon, j'y juste vais en éclaireur. d'agrandir le petit trou de souris. N'oublie pas de mettre des torches, hein. Hop, et nous pour descendre, on se met. Regarde s'il y a des blocs en dessous du trou.
Il y a des blocs en dessous du trou. Non, non, normalement Non, non. c'est bon. Non, c'est pour que le Roplider aille bien jusqu'en bas. Donc au pire, pour pas galérer quand on sort, on va se le mettre là. Hop, et normalement, il va aller jusqu'en bas. Ah si, on a Oui, une c'est torche. bon. Par contre, il va falloir se faire une petite maison d'atterrissage. Donc vous voyez, il y a Parce qu'on même va des se faire blazes et vite. tout et tout. Ouais, je pense que... Attends, je vais remonter moi aussi, je vais me mettre en mode tricheur. Ah non, 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 je vais mourir, non, t'es pas sérieux. Ah. Aïe. Remonte! C'est la merde. On va survivre, vous en faites pas. Donc vous voyez que c'est quand même assez hostile comme ambiance. Déjà pour faire le division sigil, c'est assez hostile. Aïe, et là on n'arrive plus à monter maintenant. Si, c'est bon. Allez, va droit. Va droit, je te dis. Non, va droit! Je sais pas pourquoi j'ai du mal à aller droit. Ok, donc on va faire un petit truc comme ça. Fais-toi un trou. Histoire de transformer. Hop, non, je sais pas pourquoi j'arrivais pas. J'arrivais pas à aller droit. C'est bizarre, je sais pas. Problème de doigts. Aïe, donc là tout de suite. Aïe. Donc ouais, on va se faire une petite maisonnette comme tu fais, pas bête. Aïe, parce qu'essayer de se battre là, ça va servir à rien. Hop. S'il vous plaît. Oh. Bon, il est où le squelette? On va se le faire. Hop, fais gaffe, y'a un... Oh ouais, je Un freine bien en E4. l'air. Hein. Oh! J'arrive pas à viser. Ah oui, c'est vrai, faut pas Le se noir, mettre trop dans ouais, le noir. pareil. Voilà, sinon on a des problèmes. Oh, ça se prend des dégâts quand même. Donc vous voyez, il y a vraiment de tout qui spawn. Et ça spawn plutôt bien. Donc on pense même que... Oh bah il y a même des rivières... Enfin des lacs, des petits lacs Ars Magica aussi. Ça c'est pas possible Passe-toi ça. devant. Laissez-nous tranquille. Hop, c'est bon, je l'ai tué lui. Merci. Y a pas de quoi. On galère quand même un peu là. Tac tac. Tac tac. Ça serait bien que tu poses ta lampe sur le toit. Comme ça du coup ça éclaire un peu autour. Il est où toi? Je sais pas, on va le faire genre à... Hop là par exemple pour commencer, comme ça. Bah t'aurais pu le poser au milieu, même. Enfin... Oh, tant pis, on la déplacera après. Donc tac, on fait vite fait la petite porte. Et tac. Tac tac, donc au pire on finit de... On finit un peu de se poser le temps de mettre un peu tout ça au propre et on se retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite. Donc on se retrouve. Mugi nous a laissé. Donc là, comme vous voyez, je suis tout seul. Du coup, on a un peu aménagé, on a un peu aménagé tout ça. Donc maintenant, c'est sécurisé. On a mis une Magnum torche sur le dessus. Donc la Magnum torche, c'est quoi? C'est tout simplement, en fait, ça permet de, ça prévient en fait du spawn des mobs hostiles dans une zone de 64 blocs, enfin de rayon. Donc en gros, c'est dans une zone de 128 blocs. Il y a 64 blocs par là. 64 blocs par là, 64 blocs par là, et 64 blocs par là. Donc en gros, là, on est tranquille sur 64 blocs. Et donc, ça fait que maintenant, on peut, bah, à part les dryades maintenant qui arrêtent pas de spawner, donc va peut-être falloir qu'on s'occupe de ça. Mais sinon, à part ça, du coup, c'est sécurisé. Donc on est allé un peu, enfin, moi, en tout cas, je suis allé me promener par là.
Mugi est parti par là-bas, il a découvert un coffre avec des diamants. Et nous, on est venu, enfin moi en tout cas, je suis venu par là et j'ai découvert un truc plutôt intéressant. Donc on va vite fait aller voir ça. Si on ne s'est pas attaqué, donc déjà, vous voyez les lumières là-bas. Un espèce de gros château. Et donc du coup, faudra explorer ça, parce qu'à mon avis, il doit y avoir pas mal de coffres à l'intérieur. Et bon, du coup, on va pas trop s'attarder là pour le moment, parce que ça va spawner. Donc vous voyez, ça spawn déjà. Et les mobs, en fait, je sais pourquoi ils sont si résistants, et ils vont super vite en plus. En fait, ils ont le double de vie. Donc d'avoir 20 points de vie, ils ont 40 points de vie. Les creepers, c'est pareil, 40 points de vie aussi. Enfin, tous les mobs, comment ça s'appelle? Les Hungry Zombies, eux, ils ont 50 points de vie. Enfin, tout est multiplié par deux, donc peut-être que la force aussi. Pour ça qu'on les voyait courir un peu plus vite là. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire là? Tout simplement, pour finir l'épisode tranquillement. Et on n'est pas venu ici pour rien. Du coup. On va, hop, placer notre petit mineur ici. Voilà, c'est nickel. Donc là, juste, on va faire un petit escalier pour monter sur le dessus. Voilà, comme ça, on peut poser notre under chest, translocateur là, un translocateur là. Donc ça, c'est l'under chest qui est plein de pierres, comme ça on remplace les minerais par la pierre. Là, ici, on met notre petit nugget de diamant. On vient mettre, hop, on rajoute une pierre. Et du coup, on le met en mode inspiration. Donc là, il y a déjà. Non. Donc on va remettre une pierre et puis du coup on va mettre ça comme ça. On va voir ce que ça va faire quand on va le lancer. Donc là ici, hop, on met ça. Ça reçoit l'énergie, ça envoie les items. Et du coup, on va le configurer. Donc or, là le rayon il est bon, 32. Donc tac tac tac. On sort et on fait lancer. Ah ouais, il y a quand même pas mal de minerais. Tiens, par contre, lui, il fait grève là. Oh. Bon, bah, c'est pas. Enfin, je réglerai le problème hors caméra, ça doit rien être de dramatique. Et donc, pour que ça fonctionne, quand on n'est pas là, il va falloir qu'on fasse un petit chunk loader. Donc, chunk loader, on fait une table d'enchantement. Tuc. Tuc. On fait comme ça. Je crois que c'est ça. Et comme ça, et on a notre chunk loader. Donc, on va poser. Ouais, tiens, on va le poser ici pour le moment. Donc là, il est sur le rayon 2 en carré. Donc si on peut. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, voilà, square, chaud laser. Et donc ça va charger 9 chunks. Donc là, si on voit les lasers, ça nous montre en fait ce qu'il y a à l'intérieur des traits rouges chez les zones qui sont chargées. Hop, et donc comme ça va fonctionner quand nous ne sommes pas là. Tac, donc là ça continue, bon il y a toujours le petit problème. Et on va vite aller voir à la maison que ça fait. Tac. Ça m'est arrivé, donc on a. C'est la chute infernale.
Et on est là. Donc, toc. Et normalement, voilà, j'ai un minerai de fer. Donc, vous voyez que c'est quand même déjà de l'or. Et donc, ça, c'est le coffre à tout ce qu'on traite pas encore pour le moment. Donc, bah voilà. Tranquillement, ça va miner. Et puis bah voilà, donc on va se retrouver au prochain épisode, pardon. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et ciao ciao!